Ah mais là aussi j'arrête pas de faire ça, hein. Il faut pas que je fasse ça. Hein. Oh bah. Ah merde, bon bah désolé Arlesina, du coup bonne nuit. Après tu peux rester plus longtemps si t'avais prévu de rester plus longtemps. Hein. Nickel, merci aux meufs. Ah ouais, vraiment, le truc que j'ai fait tout à l'heure, ça m'a fait perdre du temps quand même. Putain, je suis passé une seconde, c'est chaud en vrai. Comment tu as fait pour enlever les points d'interrogation? Bon, c'est dans les paramètres que ça s'enlève. C'est les indices qu'il faut enlever quand tu veux enlever les points d'interrogation. Est-ce que tu as joué une fois à cette déclaration sur DS, 3D, PS3? Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr que je joue Sonic Génération, j'ai même fait des vidéos mode sur le jeu. Bien sûr, ça c'est quand même un jeu à faire. Hein. J'aimerais play Sonic. C'est vrai, c'est vrai. Que des vérités. Je pense qu'il voulait dire Génération DS3D, mais genre Génération 3DS quoi. Genre c'est une DS3D en gros. Je pense. Merde. Oh putain, si tu le trouves, Jens, bonne chance. Hein. Donc, ça, c'est sur une histoire vu que j'ai une view. Oui! Oui, oui, oui. Disons que le soir, moi, je n'aurais pas lui reprocher son manque de vitesse. Mais en lui-même, il a quelque chose que j'apprécie, c'est qu'on retrouve le format en fait que les développeurs avaient implémenté en fait dans les Sonic 2D, mais en 3D du coup. C'est assez bien foutu quand même. Après, Osix, c'est une erreur dans tous les points. Hein. Même le design Sonic de Osix, c'est dégueulasse. Hein. Y a pas que Eggman, malheureusement. Ah, merde. C'est-à-dire que si il y a moins de 15 images, je prends seulement pour le plus tard. Ah ouais, oh, c'est dommage, en vrai. Bah après, Micromania, tu pourras l'avoir pour 20€. Si t'as un jeu à revendre éligible à la liste. Si jamais. Ah, c'est pas cool ça par contre, je gagne même pas 20 secondes. Ah, dommage. Oui, dans la bêta de Unleash. Après, c'est parce que du coup, ils n'avaient pas encore créé le modèle de Unleash, c'est pour ça. C'était en fait un placeholder, c'est comme ça qu'on appelle ça. On n'est pas passé loin d'une catastrophe, hein. Merde. C'est un mauvais Ghost Town, ça. Vraiment, on l'a pas géré du tout en termes de temps, mais bon. Merde. Mais allez.
Oh mon dieu. C'est ça exactement le modèle de Forces dans Frontier qu'on avait vu, c'était un placeholder. On gère pas trop là hein. Dire que tout à l'heure on avait 38 secondes je crois, un truc comme ça, fait chier hein. Ah ok d'accord. Oui mais franchement si tu trouves Génération dans une brocante, t'as vraiment eu de la chance quoi, parce qu'il y a vraiment très basse probabilité de le trouver dans une brocante Génération. Hein. Sonic Caustic, s'il utilisait un moteur spécial, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas du tout. Écoute la recrue. Nos autres forces sont en train de combattre l'ennemi. On dirait que t'as pris le meilleur chemin. La survie de Sonic dépend de toi. Trouve-le. À moi, Frontier, ce sera Day One aussi. Hein. Surtout que je travaillerai peut-être dans une ancienne qui le vendra. Il y a même peut-être moyen que je l'ai un jour avant. Donc, oh, vous imaginez pas comment je vais clairement le tryhard dès que je l'ai. De toute façon c'est simple, si je l'ai la veille, moi je joue un peu en enregistrant. Si jamais je l'ai pas la. Si jamais je l'ai pas la veille, le premier jour je stream dessus et je streamerai pas plus dessus après pour pas me faire spoil. Ah mais je spoilerai pas hein. Faut bien comprendre de toute façon que si je fais ça je suis dans la merde parce que ces gars ils peuvent me strike ma vidéo et voire même me bloquer ma chaîne en soi. Hein. Pop Sonic. Oui. Allez. Bah oui, j'aime bien les Pop Sonic. Oh oui, clairement Sonic Heroes hein. À choisir entre les deux, c'est Sonic Heroes tous les jours. Hein. Heroes, Heroes. Aïe aïe, terrible. Terrible désillusion pour le joueur français. Ah mais Frontier, moi je vais le poncer, hein. Je vais platiner les trophées. En vrai, une fois que j'aurai fini le jeu, je ferai des lives dessus. Hein. 2, 3, 4. Genre je ferai des lives pour le 100% mais que quand j'aurai fini le jeu donc je pourrai plus me faire spoil le jeu. Vous avez fait un comics de Sonic Dash ? 2, 3, 4. Archie Comics. Ah ouais. Non. Peu importe, l'écrasé sera d'autant plus satisfait. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Non ! Comment ai-je pu à nouveau perdre contre vous ? C'était super ! Apporte des beignets la prochaine fois ! Calme-toi, Jean-Claude, sur les deux donneurs. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait une explication. Enfin, tu sais, c'est juste ces gars qui ont rompu leur contrat en disant bon bah voilà, maintenant on passe à autre chose. Hein. Peut-être qu'ils étaient pas satisfaits de ce que Archie Comics proposait maintenant. Et du coup, ils ont dit bah on veut du renouveau, on veut quelque chose de mieux. Les EW, c'est ce qui marche le mieux en termes de comics pour les jeux vidéo. Donc, c'est la référence aux États-Unis. Donc, voilà. Hein. Pas passé loin, dis donc. Ah non. Salut, bah écoute, bienvenue Edo-san. Merci pour le follow, hein, Edo-san, ça fait plaisir. Bienvenue à toi sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on voit la notif, hein. Vu que ça bug à chaque fois. Là, je vais me refaire Breath of the Wild, mais en mode expert. Ok, va pour Arsenal Pyramide maintenant. Alors après, juste, on va, si possible, éviter de parler en fait de ce qui a été leak sur le jeu dans les démos parce qu'il y en a certains qui veulent se garder la surprise. Donc voilà, on va juste éviter d'en parler, c'est mieux pour tout le monde, hein, c'est mieux. On va éviter de parler de ce qui a leak sur Frontier. Et on parlera que de ce qui a été montré officiellement par Sega, vous voyez. Enfin voilà, le prenez pas mal, attention, c'est pas méchant du tout, mais c'est juste, voilà, je pense que c'est mieux comme ça, les gens qui veulent pas se spoil, ils gardent la surprise au moins comme ça. Oula. Cette musique est un banger. Il y a des messages génial sur ça. Mais pas sur l'énorme boost. Pas sur le boost bleu électrique. Ça, on n'a pas eu d'image d'hygiène sur ça normalement, je crois. Hein. Ou alors je les ai ratés. Le Super Sonic de Fleetway, alors je le connais juste en image, c'est juste qu'il a des yeux un peu bizarres, mais sinon à part ça je connais pas du tout.
Salut que ce soir. Bah, si un jour j'ai envie, oui, mais j'ai pas envie actuellement, quoi. Salut Aniel, comment tu vas? Ok. Bah, je sais qu'on a vu du boost hein, dans les gameplays d'IGN, et pas un gameplay, pas du boost avec une traînée bleue. Mais bon, je sais pas. Est-ce que les comics Fleetway sont en français? Il y en a beaucoup des comics Fleetway ou pas? Parce que j'ai un peu la flemme de lire 50 000 trucs. Hop là. Na 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 na. Il y en a beaucoup. Oh, la flemme du coup. Alors, je saurais pas dire pourquoi Sega a choisi IGN. Hein. Vraiment, le choix était désastreux. Hein. Le choix était aussi désastreux que... Oula. Le choix était aussi désastreux que les images qu'ils montraient. Je sais pas, PlaySonic, je sais pas du tout en vrai. Déjà, il faut que je rattrape mon retard moi, dans les IDW, je suis pas à jour, je suis encore à l'arc Zombot. Je vois que tu ne tiens toujours pas en place. Sale petit rat d'égout. Sérieux, t'as jamais vu de hérisson avant? Attends que je te montre mes piquants. Oula. C'est un peu un échec pour l'instant. Hein. Merde. Ça me fait chier ce qui vient de se passer. J'ai plus de boost, c'est la merde. Oui, vas-y, envoie-la moi au pire un hein, PlaySonic, vas-y. Ah ouais, infini, je me suis planté, hein. Vraiment là sur le boss. Voilà. Bien sûr, j'ai fait tous les Sonic Racing. Oh pitié, fermez-la! Mon dieu! Les IDW de toute façon se trouvent plus en magasin. Voire dans très peu de magasins. Pas de soucis, PlaySonic. Ah non, moi pour le coup j'ai aussi les tomes en anglais, j'ai la suite en anglais, mais oui j'ai les 4 premiers tomes en français. Après du coup le problème c'est que dans la collection ça va pas parce que en France nous on a quand même des tomes qui sont plus jolis, genre ils sont cartonnés sur la couverture, plus grand aussi. Là pour le coup c'est plus petit et c'est plus flexible donc... Comment on fait pour les lire? Ben tu les lis. Je comprends pas la question. Merde, oh là là mon dieu. Merde, oh là là, catastrophique ça. Hein. Oh la disaster class. Oula. Ah non, évidemment, on ne spoil pas les EW. Hein. Ce serait bien qu'ils traduisent la suite, ouais. Merde. Mais bon, c'est clairement pas prévu, hein, et ça n'arrivera jamais d'ailleurs.
Ouais, moi aussi j'ai mal aux oreilles. C'est vrai que ce serait bien si des fans traduisaient. J'avoue. Bon allez, alors attendez. Ah clairement le grenier de SA2 est largement meilleur. Ah merde, je pense pas que ça me toucherait. Ah dommage, je me suis planté. Moi je me débrouille juste en anglais mais je suis pas bilingue, clairement pas. Hein, hein? Merde, pourquoi ça... Ok. Là clairement il y a une vidéo qui doit arriver prochainement où je vais devoir parler anglais, enfin où je dois parler anglais. J'ai demandé à une pote qu'elle m'aide, qui est bilingue elle, et qui va m'aider du coup à traduire ce que la personne me dit en face. Hein. Putain, j'ai trop, là je devrais avoir fini quoi. C'est horrible hein. C'est horrible en vrai, hein. Vraiment, ce boss est horrible. C'est horrible à quel point il est vraiment genre RNG. Bon c'est pas grave. Salut Yoris. Éclat. Merde. C'était un bon parc avenue ça en vrai. Franchement la run n'était pas dégueu hein, on s'est bien débrouillé. Vraiment hein. Ouais non franchement on a vraiment bien géré Park Avenue, je suis content.
Techniquement, à Casino Forest, je devrais avoir le drill. On va voir. Dommage, raté. Merde. En vrai, ça va. Sauvetage miraculeux, on va dire. Hop là, voilà. Voilà, on a le drill, les gars, let's go. Bon, en vrai, si on foire pas Aqua Road, ça le fait. Hein. Aqua Road, là, hier, ça a été notre bête noire. Mais si on le foire pas, normalement, la run est sauvée. Et Aqua Road, c'est une angoisse, parce que la physique de la fin est assez horrible, donc bon. Merci beaucoup. Ce sont pas des robots. Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des ennemis. Les affronter tous les deux à la fois risque d'être très dur pour la recrue. Je suis concentré, hein. Le courant est plutôt fort. N'importe qui aurait le vertige dans cet endroit. Ils vont peut-être mieux suivre le mouvement. Wow! J'ai cru que ça passait pas, je sais pas. C'était très perturbant ce qui vient de se passer. Allez! Ok, déjà. Ça commence mal, mais vas-y. Oh putain! Putain, c'était si dur! Oh, quelle angoisse! Ah, putain! Ah, c'était horrible, hein! Ah, putain! Mon dieu, quelle horreur! Mon cas, ouais! Oh, mec! Ouh. Mais moi aussi, je stresse toujours quand j'arrive au toboggan. Oh, putain, quelle angoisse! Bon, on a passé presque le plus dur, je pense. J'ai envie de pisser, c'est horrible! Pourquoi maintenant? Putain. En vrai, je pensais que là, j'avais 3 minutes, tu vois. Non, j'ai oublié de laisser les speed d'hier. Je suis trop con. J'ai perdu tous mes gold, ouais. C'est pas grave, on prend l'ancien truc. Bah, ok. Salut Sonic Blast Fast. Hop là. Après ce niveau tourne à Mésis. Oh merde. Putain, j'étais si emballé, mais non en fait, c'est vrai qu'il y a encore ce niveau de merde là.
Agate le Nemesis. Bah frère, le Agate, on l'a... Ouah ! On l'a déglingué, hein. C'était là au début ? Mec ! Mec, il faut que je te dise un truc. Attends. Mec, le Red Gate Bridge, trop simple en fait à skip. Vraiment. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai le bon truc. Est-ce que j'ai bien mis mon drill? Mais oui. Ah, j'ai froid, putain. J'ai froid, il y a de l'excitation qui me donne froid en plus. On prend pas le risque. Ah ouais, Shizuka c'est John Jojo. Bah non, Shizuka c'est pas la carte essentielle qu'un tu play. Vas-y frère, je suis perdu. Putain les gars, on l'a fait, let's go. Merde. Bim les gens, bim. Bim. Le seul truc qui pourrait me faire reset, c'est si je perds tout mon temps, mais vraiment tout mon temps quoi. Actuellement sinon non, là on est parti pour finir la run les gens. Hier, j'ai perdu trop de temps sur lui parce que, pour une raison générale, il a fait une autre attaque. Tu as dû te faire abandonner parce que tu as trop craigné. Le fort triomphera toujours du faible. Tu ne peux en vouloir qu'à ta propre bien. On dirait que derrière, c'est plutôt bien compris. Les faibles s'accrochent désespérément à la vie. Ah, c'est pas de la chance, c'est du skill plutôt. Il reste Infinite 3, c'est vrai. Il reste surtout Red Gate Bridge. Est-ce que le Red Gate Bridge, on le tente en sachant que je gagne 7 secondes pour le Red Gate Bridge et que si jamais je me loupe, je perds plus de temps. Ah mais le VS Infinite 2, c'est vraiment une fraude à faire. Hein. Il se fait en 15 secondes. Et encore là, j'ai été mauvais. Hein. J'ai été mauvais parce que normalement, tu peux le faire, je crois, en 11 secondes. Donc, Il faudrait que j'apprenne la nouvelle run de Chemical Plant. Salut Sonic 2.0, bah écoute, oui, ça va très bien. Hein. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, en fait, il n'y a pas d'autres runs sur Chemical Plant. Hein. C'est juste quelque chose à outils. Hein. Si c'est trop calme, c'est dangereux. Vaut mieux pas prendre de risques. Ça, déjà, c'était une meilleure optimisation. Ah, mince. C'est pas grave. Hop, on va ici. Mince.
Hop. M'en fous. Pam pam padam. Pam pam padam. Ah oui, 4-26. Ah oui. Pas de soucis, prince, bonne nuit à toi. Je préfère que Michael Pant de Sonic Génération ou Forces. Oh bah, que Génération, hein, tous les jours, hein, tous les jours. Attention, Metal Sonic a été vu pas loin de là. Étrange, je le vois nulle part. Tant pis. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que j'allais mourir. C'est pas grave. Tant pis. On perd 10 secondes, bon bah voilà, c'est pas grave. En vrai, lui m'a posé des difficultés la dernière fois. Hein. Alors, quand je dis la dernière fois, c'est pas hier. Hein. Je parle du PB, enfin de mon dernier PB. Hein. Enfin, du coup, oui, c'est techniquement hier, mais je parle de la run qu'il y a sur le timer. Je me suis compris. Actuellement, de toute façon, pour que je sub 1h10, il faut que je fasse il faut que je sois au-dessus de 5.23. Sinon, c'est pas sub 1h10. Jésus, c'était quoi déjà qu'on avait dit hier où j'avais carrément fait de la merde sur des niveaux? Pas la run d'hier, mais avant. Enfin, c'est aussi la run d'hier. Hein. Je pourrais jamais faire un Guardian Rock aussi beau qu'hier. Hier, j'étais à mon prime sur Guardian Rock. Merde. Attention, il y a une source d'énergie géante. Genre une 9 sur ce rang, je pense. Tu une 9. Wow. À ce point là. Putain. On peut pas la laisser atteindre l'usine chimique. Des tours sur la tension. Je me concentre parce que j'ai beaucoup de mal à voir les rochers arriver. En fait, c'est assez fou que pour sidestep, si tu le fais avec les joysticks, c'est plus réactif que si tu le fais avec les gâchettes. Genre typiquement Final Judgment pour sidestep, c'est les joysticks, sinon tu te plantes.
En vrai, je me rends pas compte du temps que je peux gagner. Après, c'est normal qu'ils disent musique chimique, ils allaient pas dire que Michael plante, hein. La VF est aux fraises, bah non. C'est normal, hein. Enfin, en vrai, je vois pas en quoi ça choque d'entendre l'usine chimique, hein. C'est normal. Enfin, c'est comme au début du jeu, hein. Il dit les collines vertes de. Bah, si, il dit les collines vertes de Greenwich, c'est vrai que bon, ça c'est pas logique, mais. Ouais, mais je sais pas, pour moi, ça. Enfin, je vois pas l'intérêt de dire que Michael plante, mais bon. Ouais, moi non plus, je trouve qu'elle a rien de choquant. Wouh! J'ai failli me planter, hein. On a failli perdre du temps bêtement là, hein. C'est quand même triste que ce soit un des meilleurs niveaux de moderne et que ce soit un des seuls. Franchement, je pense que oui, que la. Pour moi, il n'y a pas de raison que la VF de Frontier soit mauvaise, hein. Conséquence. En vrai, je comprends pas cette mission. Mets le turbo, mais enfin, genre, je veux turbo dans tous les niveaux, donc pourquoi je l'ai que maintenant? Pas 5 minutes d'avance, ouais, mais on n'y est pas encore, attention. Des segs, en vrai, je pense pas gagner non plus énormément, je pense gagner ouais 10 secondes, un truc comme ça, parce que ma première run, enfin la run de des segs que j'avais fait sur ce. Sur mon 1h15 était une très bonne run pour le coup. Donc, c'est pas des segs qui va me faire gagner. Merde. Merde. Wouh! Je pensais pas que j'arriverais à le faire, hein. J'ai jamais fait ça, hein. Parce que c'est le timing est serré, mine de rien, hein. Si je me fais toucher en plus de ça, je tombe, donc je suis totalement d'accord, PlaySonic, hein. Et c'est 5 minutes de gagner, nana. 5 minutes 16, les gars. J'ai rien dit en fait, il était carrément amélioré, mon Desseg. Franchement, par contre, il y a des éléments de custom qui puent la merde. Genre la frange, là, comme ça, c'est trop moche, hein. Je vais changer de.
De Wispon maintenant, pendant que j'y pense, parce que sinon, ça se trouve, après Metropolitan, je vais oublier, donc... Je t'offrais un Joker. Un Joker ? Ici, on s'offre pas de Joker, hein. Merde. Ah. Nos stages, combien? Je sais plus, 21 je crois, un truc comme ça. Il me semble, un truc comme ça, je sais plus lequel, combien c'est. Ah, j'aime pas le jus de fruits de Joker, moi. Bah en fait, Knuckles dans ce jeu, il est pas débile pour le coup. Il est chef de guerre. Il a pas son air un peu débile et niais, c'est un chef de guerre. Qui met au point des plans de des plans stratégiques pour affronter la guerre ennemi, donc... 5 minutes 44, les gars, si on ne fait pas d'erreur, actuellement... On est en train de sub 1h10. J'ai oublié un skip. Non. Je fais les skips dont je suis sûr qu'ils vont passer. Parce que lui, j'aurais pu perdre quelques secondes. Donc je préfère ne pas le faire. C'était pas là qu'on était censé atterrir. Rentrons, tout le monde nous attend. En fait, le problème, c'est que vu que l'histoire est mal branlée, on sait pas pourquoi ils ont atterri là. Il y a une raison, peut-être qu'Infinite les a envoyés ici pour qu'ils reviennent. Moi, je suis sûr que c'est parce que Infinite, il est shonen et il voulait recombattre Sonic. Oh merde. Dommage. Là on perd du temps. Là on perd du temps, c'est assez dommage. C'est ma faute, j'ai pas géré. Mince. C'est après. Minute 9, ah oui. On rechange de Wispon et on passe du coup sur
Non, non, mais c'est pas grave, en vrai. Hein. Ça, bon, voilà, ça arrive, les petites erreurs. C'est quelque chose que je pourrais rattraper dans une prochaine run, au moins, comme ça. Mais on est large, là. Hein. Là, déjà, franchement, si je me foire pas, c'est win. Mais on prend pas la confiance, on prend pas la confiance. Il faut pas. Il est où, le... Voilà. J'ai from, hein. Ah merde. Ah merde. Je sais pas pourquoi ici j'ai toujours du mal. Allez. Pas grave. T'en fous, on continue. Encore une fois sur le deux prochains. Ah ouais? Non. Merde. The final battle has begun. Écoutez, normalement, mon Tar Canyon et Infinite 3 ne devraient pas être un problème. Normalement. Ça fait peur. J'ai envie de pipi. Ah, j'ai envie de faire pipi, horrible, j'en peux plus. Ah, je suis au bout de ma vie à l'aide. Faut que je pense à changer. Ah non, pour l'instant, il faut pas que je change en fait, j'ai n'importe quoi. Mais trois, je me méfie, ouais, moi aussi. Après, tant que je passe pas en dessous des 5-23, c'est bon. C'est toujours sub-1h10 dans tous les cas. Voilà, ça c'est déjà assez une réussite. Quoi? C'est une blague? Pourquoi? Pourquoi? La physique de ce jeu elle pue la merde, j'arrête pas de le dire, elle pue sa mère. Voilà, bah, déjà j'ai perdu du temps sur ça. Mais putain, mais la physique de ce jeu, au secours. Oh, ça me rend fou. Putain... C'est pas un peu extrême, Yuri, ça comme mort? Ah, fait chier quoi. Là, j'aurais déjà fini le niveau. Bah, la voix. Alors. Si on parle en français, évidemment, Alexandre Gillet. Si on parle en anglais, Jason Griffiths. Si on parle de toutes les voix, Jason Griffiths. Ah là 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 là. Pourquoi j'ai fait... Ah putain, je suis deg, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez les gars, on peut le faire pour VS Infinite 3, on peut le faire. De mots, Iron Fortress... Non mais Iron Fortress, ça va, hein, vraiment. Ah, Iron Fortress, c'est pas un problème, je vous jure. C'est juste que le niveau est nul, mais en vrai, ça va, hein. Enfin, il se fait large. Hein. Ce serait quand même ironique que je me plante sur Mortar et pas Infinite 3. Lui, il me stresse, hein. Quel mot veux-tu sur ton épitaphe? Que dirais-tu de... Sigi le bouffon bleu. Je sais pas pourquoi de moi il y a un air de roquette des gardiens de la galaxie quand Sonic parle.
Merde. Ah putain, mais mon dieu. Ouais. T'as raison, Shizu. Oh oh, j'ai pas assez de boost. J'ai pas géré mon boost là. Hein. Allez, on se met pas la pression. C'est quoi? Je pense que ça, je ne vais... Voilà, tu vois c'est quoi? Voilà. On fait ça. On garantit du temps comme ça. Voilà. On fait les techniques qui sont sûres. Oui, mais c'est très rapide, sauf que le problème c'est que quand il lance ces trucs là qui se croisent, c'est un coup à les toucher et à perdre du temps du coup dans la dimension fantôme. Donc non, on tente pas trop le diable non plus. Hein. Voilà. La dernière bonne noire. Normalement, ouais. Une 8, c'est optimiste, parce que le problème, c'est que là, je vais pas gagner assez de temps non plus, donc moi, je miserais vraiment sur une 9, pour le coup, au pire. Oula. Putain, mais... Mon dieu, oh là là. Oh, oh. Ok. Pas cool. En vrai, je devrais pas dire que tel niveau est tranquille parce que quand je le dis, ça me porte malheur. Allez. Cette partie-là, elle est pas compliquée, c'est juste que la physique est horrible. Mais en vrai, le plus dur, en fait, c'est surtout de pas se prendre les missiles. Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Je vois trouble. Je me sens pas bien les gars là. C'est vraiment pas cool. Je vois trop mais j'arrive pas à me concentrer. Ah bordel mais... Je crois que c'est le stress qui est en train de prendre le dessus. Moi j'ai quand même perdu du temps sur Iron Fortress. Ah
Ouais, je sais pas pourquoi. En plus de ça, j'ai froid aux pieds, les gars. C'est horrible. J'aurais dû mettre mes pantoufles. Hein. J'ai super froid aux pieds. J'ai le pied droit gelé. Vraiment, j'ai le pied droit gelé. Genre. Ah, je déteste cette sensation. Ah, tiens, y'a plus chat. Allez, dernière ligne droite, les gars. Bah connard, dites-vous que là si j'avais pas de rings, je mourrais tout ça parce que ils m'ont empêché de pouvoir esquiver l'attaque. C'est dégueulasse. You next to me and I'm next to you. Push me on through until a better world. Le boss final, allez. Il faut vite que je change mon respawn et que je reprenne le burst. Sinon, je ne peux pas faire la run. Je connais pas la. J'arrive pas, mais j'ai pas maîtrisé la run du drill. Ah ouais? Pourquoi? Il y a Alexandre Gillet dans. Il joue dans Breaking Bad? Bon, je regarde Breaking Bad. Ok, pour l'instant la run est meilleure déjà que ma dernière run. Dans Flash aussi. Ah ouais, il joue quel personnage dans Flash? Si c'est pas du spoil évidemment. Hein. Allez. On ne stresse pas. Faut pas stresser. Si je stresse, c'est lose. Flash lui-même. Ah, trop bien! Pourtant, j'ai déjà écouté la VF de Flash, mais la série, on parle. Hein. On parle pas de Flash dans l'univers DC des films. Hein. Parce que j'ai. Capitaine, vous aussi. Ça, c'est dans le dessin animé, ouais. Ça, c'est dans le dessin animé, ouais, que Alexandre Gillet double Captain America. Dessin animé Avengers. Ah bâtard. C'est tout bien le jeu de Sonic Riders, bien évidemment, bien évidemment. J'ai une préférence pour Sonic Riders, Zero Gravity personnellement, parce que c'est mon premier Sonic Riders, c'est parce que j'adore la mécanique de gravité, pour le coup je trouve que c'est vraiment un ajout très très bon. Mais compétitivement,
clairement Riders est au-dessus sur tous les points. Et même niveau scénario, en soi, bah Zero Gravity est meilleur. Oh, la meilleure musique, la meilleure musique. Vas-y Sonic, détruis-le. Allez Sonic. C'est parti! Et c'est time! Oui! Let's go! Screenez, envoyez-moi ça, ancien! Mais putain, on l'a fait! On l'a fait, bordel! C'est vraiment pas le moment, Blue X, là. Et qui me pose ses meilleures questions. Oui, putain. En plus, j'ai répondu tout à l'heure, j'avais pas fait les Rivals, et t'étais là. Let's go. Putain, on l'a fait, bordel, on l'a fait. Mais on l'a fait, putain. Ah, la vache.